rentrer. Ernestine Micou. Oui. Vous êtes flic? Inspecteur Maigret. C'est pas moi. C'est ma copine qui a fait le coup. Où est-elle? Je sais pas. Cherchez-la, c'est votre métier? Habillez-vous et suivez-moi. Je vais d'abord finir mon sandwich. Habillez-vous et suivez-moi. Je suis bien comme ça, non? J'ai un mandat d'arrêt. Habillez-vous et suivez-moi. Vous allez m'arrêter, je veux bien. Mais par-dessus le marché, il ne faut pas me demander de vous aider. Je suis chez moi. Il fait chaud. J'ai le droit d'être à poil. Bonjour, putain! Ernestine Jussion, née Micou, dite la grande perche. Urgent. Oui? Voilà les personnes, monsieur Maigret. Vous vous souvenez, monsieur le commissaire? La grande perche. Vous m'en voulez toujours. Vous savez, il faut que je vous dise tout de suite. Vous vous êtes trompé pour moi il y a 17 ans. J'ai fait 10 mois de tôle pour rien. C'est ma copine Lulu qui a piqué l'argent. Vous voyez, monsieur le commissaire, tout le monde peut se tromper. Même vous. C'est pour ça que vous êtes venu? Non. C'est pour Alfred. C'est qui, Alfred? Alfred Jussio, mon mari. Un vrai mari, avec un vrai mariage à l'église. C'est lui qui a voulu. Il a gardé de la religion. Vous le connaissez peut-être, monsieur le commissaire. On l'appelle Alfred le Triste. Celui des coffres-forts? Oui. C'est un client de Boissier. Enfin, si vous voulez. L'inspecteur Boissier l'a arrêté 2 ou 3 fois. La dernière, Alfred a tiré 5 ans à Fred. Vous vous êtes disputé, il vous a tabassé? Non, pas du tout. Il ferait pas de mal à une mouche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Seulement, il s'est mis dans de sales draps sans le vouloir. Où est-il? Je ne sais pas. Il a disparu. Il faut aller voir Boissier, c'est pour lui. Inspecteur Boissier, c'est les cambriolages. Vous, c'est les homicides. Il a tué quelqu'un? Non. Monsieur le commissaire, je vous le jure. Je le connais, c'est insensible. Il se met à pleurer pour un oui ou pour un non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Il a fait un coup. Pas la nuit dernière, la nuit d'avant. À Neuilly. Vous étiez avec lui? Non, non, il n'a jamais voulu que je fasse le guet. C'est un solitaire. Quand il prépare un coup, il passe des heures à observer les lieux et les habitudes des gens. Alors c'est à Neuilly qu'il a travaillé? Oui. La veille du cambriolage, il m'a dit qu'il avait été arrêté par les flics derrière le jardin d'acclimatation, en revenant de Neuilly pour un contrôle d'identité. Et vous ne l'avez pas revu depuis? Non. Mais il m'a téléphoné à 5 heures du matin. Je dormais pas, j'étais inquiète. J'ai tout de suite compris au son de sa voix qu'il y avait un pépin. Il arrivait presque pas à parler. Vous n'avez aucun meurtre à signaler dans les dernières 24 heures du côté de Neuilly? Une femme. Pas de corps repêché dans la Seine. Personne n'a signalé de coup de feu. Merci. Appelez le commissaire divisionnaire Maigret si vous avez quelque chose. Pourtant, je n'invente rien. Il m'a bien dit au téléphone qu'il avait vu une femme étendue derrière le bureau qui le fixait avec des yeux morts. Même qu'elle tenait le récepteur du téléphone dans la main. Elle avait la poitrine toute sanglante. Ce serait plus simple s'il était là pour confirmer, monsieur Alfred. Il a eu peur quand il a entendu la voiture qui s'arrêtait devant la grille. Il a vu la personne qui en sortait? C'était un homme. Et Alfred s'est enfui quand il est entré dans la maison. Il a laissé son matériel sur place? Oui. Il m'a dit au téléphone qu'il quittait Paris, il a paniqué. Est-ce qu'il n'aurait pas une petite amie, Alfred? Oh, ça non, j'en suis certaine. S'il en avait l'envie, je lui en trouverais tant qu'il veut. Ah bon? La vie est déjà pas si drôle. S'il vous écrit ou s'il vous téléphone, tenez-moi au courant. Vous aussi, monsieur le commissaire. Vous en savez peut-être long sur la vie, mais je pourrais peut-être vous aider.
y a des choses que les gens comme nous comprennent mieux que vous. Entrez. Bonjour, commissaire. Bonjour, Boissier. Dites-moi, vous connaissez Alfred Jussiau ? Alfred le Triste, oui. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Je ne sais pas, sa femme sort de chez moi, il semblerait qu'il a eu un coup dur. Au moment de cambrioler un coffre-fort, il a découvert un cadavre dans la pièce. Ça pouvait arriver qu'à lui, ça. Mais avec ses capacités, il pourrait être millionnaire. Il connaît le mécanisme, l'emplacement de centaines de coffres, et à chaque fois, il a la poisse. Il tombe sur des titres, des papiers de famille, des bricoles, impossible à vendre. Sa femme est venue vous trouver ? Oui, elle dit qu'il a quitté Paris, elle ne sait pas où il est. Vous savez où ça s'est passé ? Du côté de Neuilly. Une maison avec un jardin bordé d'une grille. Enfin, c'est vague. C'est peut-être suffisant. Laissez-moi une minute. Vous rejoindrez votre bureau. Il a travaillé 10 ans chez Planchard, le fabricant de coffres-forts. C'était un de leurs meilleurs spécialistes. Quand il en eut assez de les installer, il s'est mis à les cambrioler. Je vais vous lire ses états de service. Ce que je voudrais plutôt, c'est la liste des coffres-forts qu'il a installés. Vous saviez que je l'avais ? Bien sûr. On ne devrait pas le dire, commissaire, mais ça m'empoisonnerait d'arrêter un Pierrot comme lui. Et surtout de l'envoyer en cabane. La dernière fois, ils lui ont mis 5 ans. J'avais presque envie d'engueuler son avocat à un minable. Je n'ai pas su le défendre. Alfred, c'est un artiste. C'est un solitaire, il ne va pas jouer les durs dans les bistrots. Même si on l'envoie en tôle pour 10 ans, à peine sorti, il recommencera. C'est le genre de type qui est né gibier. Il trouve tout naturel d'être chassé. Ça doit être là. Arrêtez-vous un peu plus loin, en face du café. Prenez un grog, Boissier. Non, commissaire, j'ai trop soif. Je prendrai un grand jus de citron. J'ai pas de citron. Alors un pastis avec beaucoup d'eau. Un verre de blanc. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un dentiste dans le quartier ? Oui, il y en a un à l'autre côté de la rue. Je sais pas ce qu'il vaut. Je vois peu de clients entrer chez lui. Comment est-il ? Beaucoup d'eau. Grand, comme vous, la 50aine. Je le connais un peu, parce qu'il vient de temps en temps boire un verre en cachette. En cachette ? Oui. Quand il entre ici, il jette toujours un coup d'œil du côté de sa maison. Et qu'est-ce qu'il boit ? Du rouge. Toujours du rouge. D'habitude, il vient vers 6h, 6h30, il boit 2 verres coup sur coup. Il s'effile la bouche avec son mouchoir, il paye, et il s'en va. Pas très bavard. On a de la visite, commissaire. C'est pas le moment. Monsieur le commissaire, vous avez aussi trouvé ? J'ai la liste des coffres. J'avais vu Alfred la cacher et je connaissais l'endroit où il l'avait mise. Vous l'avez là ? Non, je l'ai brûlée. Pourquoi ? Je vais tout de même pas vous apporter des preuves contre lui. Vous y allez ? Je peux vous attendre ? Si vous voulez. Ça me ronge, cette histoire. Vous avez rendez-vous ? Nous désirons parler au docteur Serre. Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Commissaire Maigret, police judiciaire. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais mon fils ne tient pas beaucoup à la clientèle de passage. Mon fils fait la sieste. Installez-vous, je vous en prie. Je vais chercher. Je ne voudrais pas être indiscrète, monsieur le commissaire, mais vous savez, mon fils n'a pas de secret pour moi. Nous vivons ensemble depuis 50 ans, alors avant d'aller le réveiller
pourrais-je savoir? Votre fils n'est pas marié? Si, il est marié. Sa femme est ici. Elle n'y est plus, monsieur le commissaire. J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises. C'est à cause d'elle que vous êtes ici? Asseyez-vous, je vous en prie. Après la mort de sa première femme, mon fils ne voulait plus se remarier, puis il a fait la connaissance d'une personne d'un certain âge qui était une de ses clientes et qui vivait seule à Paris. Ils se sont mariés? Oui, je l'ai encouragé en me disant qu'ainsi, il ne resterait pas seul. Je ne suis pas éternelle. Je comprends. Elle est morte récemment. Morte? Vous en parlez au passé. C'est vrai, oui. C'est parce qu'elle nous a quittés. Quand vous a-t-elle quitté? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Donc lundi. Oui. Elle vous a donné les raisons de son départ? C'est assez délicat à expliquer, monsieur le commissaire. Surtout pour un homme. Nous traversons toutes, plus ou moins, à un moment donné de notre vie, une période ingrate où nous ne sommes plus tout à fait nous-mêmes. Rien nous irrite, nous nous faisons des idées sur tout. Des idées fausses, bien sûr. Je comprends, oui. À la fin, elle ne rêvait plus que de la Hollande, son pays d'origine. Elle est donc partie lundi? Oui, elle a pris le train de nuit. Votre fils l'a conduite à la gare? Non. Elle a appelé un taxi. Elle est allée en chercher un au bout de la rue. Elle ne vous a pas donné signe de vie depuis son départ? Je ne crois pas qu'elle en éprouve le besoin. Il n'a jamais été question de divorce? Nous sommes catholiques, monsieur le commissaire. Mais pourrais-je savoir la raison de votre visite? Il est arrivé quelque chose à Maria? Pourriez-vous me dire, madame, le plus exactement possible, comment s'est déroulée la soirée de lundi ici, dans la maison? Eugénie a aidé ma belle-fille à faire ses bagages. Eugénie? Oui, c'est notre femme de ménage. Elle vient tous les jours de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Est-ce que votre fils est sorti ce soir-là? Ce soir-là? Oui, avant le dîner. Il est allé faire sa promenade comme d'habitude. Il est allé prendre l'apéritif? Non, il ne boit pas. Jamais? Seulement un verre de vin coupé d'eau à chaque repas. Vous avez dîné à quelle heure? Dès qu'il est rentré. Il fait toujours le même tour, c'est une habitude qu'il a gardée du temps où nous avions un chien. Vous vous êtes mis à table tous les trois? Nous avions déjà commencé à dîner quand Maria est descendue. Il n'y a pas eu de discussion? Non. Non, le dîner s'est passé en silence. Je sentais que mon fils... Entrez, monsieur Serre. Je vous demande pardon, mais... J'ai entendu du bruit. Ces messieurs sont de la police. Commissaire Maigret, inspecteur Boissier. Votre mère nous disait que votre femme était partie avant-hier. Qu'est-ce que ces messieurs désirent exactement? Je ne sais pas. À vrai dire, nous bavardions en vous attendant, monsieur Serre. Votre mère nous a appris que vous faisiez la sieste. En fait, si nous sommes là, mon confrère et moi, c'est qu'il y a tout lieu de croire que vous avez été victime d'une tentative de cambriolage. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Nous recevons parfois des informations confidentielles. Des indicateurs? Par exemple. Je regrette, messieurs. Vous n'avez pas été cambriolé? Si je l'avais été, j'en aurais moi-même informé la police. Vous possédez bien un coffre-fort, n'est-ce pas? Je suppose que je suis en droit de ne pas vous répondre. Effectivement. Je ne vois pas d'inconvénient à vous dire que j'en possède un. Si je ne me trompe, il s'agit d'un coffre planchard installé il y a environ 15 ans. Je ne me rappelle pas de la date d'installation. Et puis, cela ne regarde personne. Vous dormez au premier étage, votre mère et vous-même?
Votre bureau est au rez-de-chaussée. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr, monsieur le commissaire. Vous verrez par vous-même qu'il n'y a pas eu de cambriolage. Vous voyez que tout est en ordre. Ah, il y a beaucoup de livres de droit. Mon mari était avocat. Il ne faut pas en vouloir à mon fils de sa mauvaise humeur, vous savez, mais le départ de sa femme. Vous êtes satisfaits, messieurs. Voulez-vous voir la cuisine et le cabinet dentaire? Non, merci. Vous avez remplacé ces carreaux récemment? Il y a 5 jours. La fenêtre était restée ouverte pendant l'orage. Nous avons eu 2 carreaux de cassés. Vous avez fait venir un vitrier? Non, c'est mon fils qui les a remplacés. C'est toujours lui qui fait les petits travaux dans la maison. Ça suffit, maman, ne répondez plus. Ces messieurs n'ont aucun droit de nous importuner. Monsieur le commissaire? Ah, je l'avais oublié. Alors? Il n'y a pas de cadavre. Et personne n'a essayé de les cambrioler. Il manque pas un carreau à une fenêtre? Si, 2. Ils ont été cassés par l'orage de la semaine dernière. Ils mentent. Il y a sûrement quelqu'un qui ment. Et vous pensez que c'est moi? C'est peut-être Alfred. Je vois pas pourquoi il m'aurait téléphoné au milieu de la nuit pour me raconter cette histoire. Moi non plus. Au revoir, commissaire. On n'a peut-être rien raconté du tout, notre ami Alfred. Dites donc, voici, il faut soigner votre grippe. Restez quelques jours au lit. À cette heure-là, ça pouvait pas être pour nous. C'était Ernestine qui est descendue. J'ai entendu parler assez longtemps. Et Alfred, il est parti à quelle heure, la veille? Vers 10-11 heures. Au premier. Merci. Ah, c'est vous. Excusez-moi. Vous voyez, les temps ont changé. Entrez. Vous avez des nouvelles d'Alfred? Non, rien, pas un mot, pas un signe. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Il se méfie, il doit penser que je suis surveillée. Vous pouvez fouiller si vous voulez, hein. Allez-y. Vous savez, j'y réfléchis. Il faut bien que quelqu'un ait menti. Vous n'avez pas plus de raison de me croire que les autres. Vous voulez un café? Non, merci, Ernestine. Monsieur Maigret. Monsieur Maigret. Il y a une dame qui vous attend depuis une heure. Commissaire. Entrez, madame. La fumée ne vous gêne pas? Non, mon fils fume le cigare. J'étais vraiment désolée hier de la façon dont il vous a reçu. Je l'ai sans doute mal élevé. Je n'avais pas d'autre enfant. Quand mon mari est mort, Guillaume n'avait que 12 ans, je l'ai gâté. Asseyez-vous, je vous en prie. C'était le seul homme dans la maison. Nous avons toujours vécu ensemble tous les deux. Tu croyais qu'il avait été marié une première fois? Sa femme n'a pas vécu longtemps. Combien d'années après leur mariage est-elle morte? 2 ans. Et voyez comme c'est curieux, monsieur le commissaire. Avec Maria aussi, il n'a vécu que 2 ans. Qui était sa première femme? Une personne d'excellente famille, une veuve.
Elle avait des enfants? Non. De quoi est-elle morte? Une crise cardiaque. Je voulais vous téléphoner hier soir, monsieur le commissaire, et puis j'ai préféré venir vous voir. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Nous n'avons rien à cacher. Le carreau de la fenêtre du bureau, quand a-t-il été brisé? Les deux carreaux, je vous l'ai déjà dit. Au moment de l'orage de la semaine dernière, la fenêtre était restée ouverte. C'était dans la journée? Oui, il était 6 heures du soir. Donc après le départ de la femme de ménage? Oui, puisqu'elle part à 5 heures. Enfin, vous devez comprendre, monsieur le commissaire, que nous n'avons rien à cacher. Je vous fais remarquer, madame Serre, que vous êtes venue ici de votre plein gré. Oui. C'est vous qui me demandez de vous poser des questions. Bien. Reprenons les événements à partir du dernier pas que vous avez fait ensemble, votre belle-fille, votre fils et vous-même. Où se trouvaient les bagages à ce moment-là? Dans le couloir. Qui les avait descendus? Eugénie avait descendu les deux valises et Guillaume s'était chargé de la malle. Une grosse malle? Oui, une malle cabine. Ma belle-fille voyageait beaucoup avant son mariage. Vous n'avez pas assisté au départ de votre belle-fille? Non. Ce sont des situations pénibles, je préfère éviter les émotions. Je lui ai dit au revoir en bas, dans le salon, et je suis montée dans ma chambre. Où se trouvait votre fils à ce moment-là? Dans son bureau, je pense. Vous ignorez s'ils ont eu une dernière conversation? Ça m'étonnerait, je n'ai rien entendu. Oh, vous étiez au premier étage, vous croyez que vous auriez pu entendre les bruits d'une conversation dans le salon, porte fermée? J'ai l'oreille fine. J'entends craquer une lame de parquet à l'autre bout de la maison. Qui est allé chercher le taxi? Maria, je vous l'ai déjà dit. Elle est restée longtemps dehors? Assez longtemps, oui. Il n'y a pas de station de taxi à proximité. Elle a dû attendre un taxi en maraude. Que s'est-il passé après son départ? Vous êtes descendu? Non. C'est Guillaume qui est monté dans ma chambre. Il était ému? Il était comme vous l'avez vu. Il savait que sa femme ne reviendrait pas. Il s'en doutait. Si elle avait l'intention de revenir, elle n'aurait pas emporté toutes ses affaires. Vous n'avez plus quitté votre chambre? Non. Votre fils est resté avec vous? Un moment, oui. Il n'est pas sorti de la maison? Non. Pourquoi faire? Où garde-t-il sa voiture? Notre garage est à 100 mètres. De sorte qu'il peut prendre sa voiture sans être vu. Entrez! Bonjour, patron. Entre, Jean-Vier. Tu as du nouveau? Oui. Tu peux entrer. La personne s'appelle Maria Van Aerts. Elle a 51 ans. Elle est originaire de Sneek, en Hollande. Avant son mariage, elle habitait une pension de famille rue de Longchamp, à Neuilly. Et le taxi? On l'a pas encore retrouvé, mais Vanier s'occupe de la gare. Bon, c'est très bien. Appelle-moi dès que tu as du nouveau. Je suis venu pour répondre franchement à vos questions. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que vous êtes inquiète? Hier, vous avez parlé d'un cambriolage. Maintenant, vous paraissez préoccupé au sujet de Maria. Je suis troublé, je l'avoue. Vous n'avez pas reçu de ces nouvelles? Je ne compte pas en recevoir. Vous me cachez certains faits, monsieur le commissaire. Asseyez-vous, madame. Un homme s'est introduit cette nuit-là chez vous. Pourquoi faire? Pour cambrioler le coffre-fort. Qu'a-t-il emporté? Rien. Il n'a rien emporté parce qu'à un certain moment, sa torche électrique a éclairé un objet qu'il ne s'attendait pas à trouver dans la pièce. Quel objet? Un cadavre. Un cadavre de femme. Qui pourrait bien être celui de votre belle-fille. Il vous a dit cela? Pourquoi ne demandez-vous pas à cet homme
de venir répéter devant moi ses accusations en face. Il n'est pas à Paris. Vous ne pouvez pas le faire venir? Vous avez sans doute de bonnes raisons de croire en cet homme, un cambrioleur, plutôt qu'en une vieille femme de 77 ans qui n'a jamais fait de mal à personne. Monsieur Maigret, je vous demande instamment de venir chez nous. Je vous ouvrirai toutes les portes, je vous montrerai tout ce que vous voulez voir. Je vous remercie, madame. Quand je serai partie, essayez de vous mettre à ma place. Essayez d'oublier que vous passez votre vie à vous occuper de crimes. Imaginez que c'est à vous que l'on pose les questions que vous m'avez posées et que c'est vous que l'on soupçonne. Je n'y manquerai pas, madame. Salut, garçon, ici Maigret. Je vais bien, merci. Écoute-moi, c'est délicat. Tu vas sauter dans une voiture et te rendre au 43 bis rue de la Ferme. Janvier t'a dit, bien. J'ai besoin de voir le dentiste seul. Le temps presse, le type n'est pas commode et j'ai pas le temps de faire un mandat. Faut agir vite avant que sa mère rentre, elle sort d'ici. Tu l'emmènes sous un prétexte quelconque, raconte-lui ce que tu voudras, que tu as besoin de son témoignage. C'est pas très légal, je sais. Inspecteur, on vous demande. Excusez-moi. Comment ça s'est passé? J'ai fait faire une convocation par le commissaire. Je lui ai présenté le papier, il l'a lu et m'a suivi sans dire un mot. Il est là, il n'a pas desserré les dents. Bon, allons-y. Bonjour, monsieur Serre. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé, mais j'aimerais que vous répondiez à quelques questions. J'ai reçu une convocation du commissaire de police de Neuilly. Dois-je comprendre que vous refusez de me répondre? Catégoriquement. Très bien. Bien, le commissaire de police va vous recevoir. Je n'aime pas beaucoup ce genre de situation. Moi non plus. Tu peux le faire venir. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a peut-être tué sa femme. Entrez. Asseyez-vous, monsieur Serre. Il s'agit d'une vérification, je n'abuserai pas de votre temps. Vous pouvez rester, garçon. Vous êtes bien le propriétaire d'une voiture qui porte le numéro minéralogique RS8822L. Quand vous en êtes-vous servi pour la dernière fois? Je suppose que j'ai le droit de savoir pourquoi vous me posez ces questions. Supposons que votre voiture, ou plutôt son numéro, nous ait été fourni comme celui d'un véhicule ayant renversé quelqu'un. Quand? Lundi soir. Où? À proximité de la Seine. Ma voiture n'est pas sortie du garage. Quelqu'un peut s'en être servi à votre insu. Difficile, le garage est fermé à clé. Vous affirmez que vous n'avez pas utilisé votre voiture lundi soir, ni plus tard dans la nuit. Et où sont les témoins de l'accident? Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, monsieur Serre. Vous pouvez disposer. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai vu. Arrêtez-vous une minute. Ouais, puis non, continuez.
Commissaire, vous savez du nouveau? Rien du tout. J'ai reçu ça. Alfred? C'est son écriture. Le Havre. Répondez-moi franchement. À supposer qu'il revienne à Paris. Vous voulez savoir si on l'arrêterait? Oui. On ne peut pas l'arrêter puisqu'il n'a pas été pris en flagrant délit. Et d'autre part, Guillaume Serre ne porte pas plainte. Et ni même qu'on se soit introduit chez lui. Alors le laisserait tranquille. À moins qu'il n'ait menti et qu'il se soit passé autre chose. Patron, j'ai d'autres tuyaux. Bon. Au revoir, commissaire. Au revoir. Je suis allé à la pension de famille dont je vous ai parlé. Il y a surtout des étrangères. Des Belges, des Anglaises, des Américaines, qui visitent les musées, noircissent des cartes postales. Maria Van Aerts y a vécu un an. Elle écrivait presque chaque semaine des lettres de 8 à 10 pages. Toujours la même personne, une amie qui habite Amsterdam, dont j'ai le nom. Elle est venue la voir une fois à Paris. Elles ont partagé la même chambre pendant 3 semaines. Elle s'appelle Gertrude Hosting. C'est la femme d'un brasseur. On va facilement retrouver l'adresse. Elles ont dû continuer de s'écrire. Oui, enfin, c'est ce que j'ai pensé. Est-ce que Torrance est là? Il est rentré ce matin. Appelle-le. Tu vas aller te planquer rue de la Ferme, à Neuilly, en face du 43 bis. Pas besoin de te cacher, hein, au contraire. Si tu vois sortir un malabar dans ton genre, suis-le ostensiblement. C'est tout? Oui. Fais-toi remplacer une partie de la nuit. Bon appétit. Merci, patron. Appelez-moi la police du Havre. Suivez-moi. Madame Eugénie. Qu'est-ce que vous me voulez? Bavarder un instant avec vous. J'ai pas le temps. Je suis de la police. J'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de vos patrons? Des chiens. La vieille Madame Serre aussi? Pire. Je vais vous reconduire. J'aime pas les flics. Ah, mais c'est votre droit. Et la belle fille, vous ne l'aimiez pas? Elle raflait tout ce qu'il y avait dans le garde-manger. À l'heure du déjeuner, je trouvais plus rien de ce que j'avais préparé. Vous savez quand elle est partie? Lundi. C'est ici. Mais pourquoi vous voulez la retrouver? On a de bonnes raisons de croire qu'elle a été assassinée. Pour les arrêter? Nous n'avons pas encore de preuves. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Vous vous souvenez bien de la journée de lundi? Très bien. Vous avez aidé Madame Serre, la jeune, à faire ses bagages? Ça m'a pris toute la matinée. Elle emportait beaucoup d'effets personnels? Des tas. Elle avait au moins une trentaine de robes. Elle ne jetait rien. Elle les portait plus, mais elle les aurait jamais données. Ça va? Comme tous les riches. On m'a dit qu'elle était partie avec une malle et 2 valises. Exact. Restait partie en camion la semaine d'avant. Le mari savait? Bien sûr. C'était décidé depuis longtemps. Depuis quand? Depuis sa dernière crise. Chaque fois qu'elle avait une crise, elle disait qu'elle voulait retourner dans son pays. Des crises de quoi? Le cœur. Elle était cardiaque? Pareil. Elle prenait des médicaments? Ils en prenaient tous les trois. Chacun son petit flacon ou sa petite boîte à pilules devant son assiette. Ils se disputaient souvent? Il y avait des semaines où ils ne se parlaient pas. Restaient dans sa chambre. Qui? Maria ou la mère? La Hollandaise. Passait ses journées à écrire des lettres. Il me les donnait toujours à moi. C'était toujours pour la même personne. À Amsterdam. Gertrude Hosting. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, c'était bien Gertrude. Vous travailliez déjà pour eux quand ils se sont mariés? Non.
Vous ne savez pas qui travaillait avant vous dans la maison. Il change tout le temps de femme de ménage. C'est le facteur qui me l'a dit. Dès qu'on connaît la maison, on s'en va. D'ailleurs, moi, à la fin de la semaine, je me sauve. Pourquoi? Parce que j'en ai assez de voir la vieille compter les morceaux de sucre dans le sucrier. Une sournoise avec ça. Toujours polie. Une façon de vous regarder comme si vous étiez moins que rien. Mardi matin, quand vous avez repris votre travail, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non. Vous n'avez pas remarqué dans le bureau une vitre cassée pendant la nuit? Vous n'avez pas senti une odeur de mastic? Vous vous trompez de jour. Quel jour était-ce? 2 ou 3 jours avant. Bah, la nuit du gros orage. Vous en êtes sûre? Bah, certaine. Il y avait 2 carreaux de cassés. Et j'ai dû cirer le plancher parce que la pluie avait pénétré. Qui les a remplacés? Monsieur Serre. Il a dû aller chez Gillot, le quincailler de la rue de Longchamp. Ils sont tellement radins qu'ils ne font jamais venir un ouvrier s'ils peuvent s'en passer. C'est le dentiste qui débouche les cabinets. Bien. Vous pensez qu'ils l'ont tué? Non, je n'en sais rien. Une minute. Bonsoir. Vous vendez du verre à vitre? On ferme, monsieur. Police judiciaire. Oh, pardon. Qu'est-ce que je peux pour vous? Vous connaissez monsieur Serre, le dentiste? Oui, il a un compte chez nous. Vous l'avez vu récemment? Je l'ai servi la semaine dernière. Il a acheté du verre à vitre et du mastic. C'était quel jour? C'était le lendemain de l'orage. Vendredi, je crois. Vendredi. Bien, merci. Je peux regarder dans les livres de compte? Il est revenu cette semaine. Pardon? Il est revenu mardi. Il a acheté une vitre aux mêmes dimensions. 41 sur 45. Vous en êtes certain? Bien sûr, j'en suis certain. C'était le premier client de la journée. C'est à quelle heure? J'ouvre à 8 heures. Vous l'avez inscrit sur le registre? Bien sûr. Je vais envoyer quelqu'un pour le photographier. Surtout, ne détruisez pas la page. Commissaire Maigret, de la police judiciaire. Ah, excusez-moi. C'est pas très légal. Mais du moment qu'ils ont menti au sujet des carreaux cassés, ça a moins d'importance. Qu'est-ce qu'on fait si le dentiste me surprend? Attendez qu'il soit couché. Veuillez entrer. Torrance monte la garde devant la maison. Le garage n'est pas visible de leur fenêtre. Bon travail. Bonsoir, patron. J'ai pu repérer Gertrude Hosting à Amsterdam. Elle parle assez mal le français. J'ai déniché une interprète à l'ambassade des Pays-Bas. Vous l'avez attendue à la gare d'Amsterdam mardi matin? Et elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est inquiète. Elle demande si Maria est morte. Peut-être, madame. Je vous passe une traductrice. Demandez-lui de m'envoyer les lettres de ces 15 derniers mois. Dag, mevrouw Van Oosting. Ah, et puis une chose très très importante. Dites-lui qu'il faut qu'elle saute dans un taxi et qu'elle passe au bureau central de la police d'Amsterdam pour déposer une plainte concernant la disparition de son amie, madame Maria Serre, née Van Hertz. C'est urgent. Goedenavond, mevrouw Van Oosting. Sorry, ik ben de vertaalster van de heer Maigret. Bonsoir, commissaire. Alors voici, cette grippe déjà terminée? Presque, ça va mieux, merci, j'aime pas rester au lit. Et puis cette histoire d'Alfred, ça me tracasse. Oui, on se verra plus tard. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Tu
c'est fini? Non, pas encore. J'attends un télégramme d'Amsterdam qui va faire avancer l'enquête. Tu as l'air réjoui, on dirait que tu es en train de faire un bon tour à quelqu'un. Ah oui, c'est un peu ça. Christian, un verre de blanc. Qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas. Du poisson, peut-être? Moi, je prendrais bien quelques huîtres. Tu m'accompagnes au bureau après? Au bureau? Oui, mais attention. Pas de commentaires sur la poussière et le désordre. Promis. Ça s'est bien passé? Sans problème. Alors? On aura les photos dans 20 minutes. Entre. Vous avez trouvé quelque chose? On a examiné toutes les parties de la voiture. Et elle n'a pas dû rouler depuis 2 ou 3 jours. Il n'y a pas de désordre à l'intérieur. Par contre, j'ai relevé 2 éraflures dans le coffre. Comme si on y avait mis un colis encombrant et lourd? Ça pourrait être ça, oui. Une malle ou une caisse. Pas de tache de sang? Non, pas de cheveux non plus. T'as eu l'impression que la voiture avait été nettoyée récemment? Pas extérieurement, mais j'ai l'impression que l'intérieur a été très soigneusement brossé, car j'ai eu du mal à recueillir de la poussière. Bon, je vais monter pour examiner ce que j'ai pu récolter. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tu n'as pas sommeil? Non. C'est toujours comme ça? Quoi? Ton travail? Ça dépend. Il s'agit d'un meurtre? C'est probable. Tu connais le coupable? Et il sait que tu le soupçonnes? Ça doit être affreux. Pour la pauvre femme, ça n'a pas dû être très gai non plus. Entrez. Télégramme, commissaire. Merci. C'est la demande d'enquête de la police d'Amsterdam. On peut rentrer à la maison, madame Maigret. Et les photographies? Elles n'apporteront rien. Tu crois? Les analyses de Moers non plus. Pourquoi? L'assassin a pris des précautions? Je n'ai trouvé que ça à la place du conducteur, c'est de la poussière de briques. Des briques? Des briques pour la construction. Ah ben c'est bien, c'est déjà quelque chose. Mais j'aurai surtout besoin de toi tout à l'heure. Tu viendras avec tes hommes et tes appareils et tu sortiras le grand jeu. Il faut vraiment impressionner le bonhomme. C'est un dur? À sa manière, oui. Je t'appellerai de là-bas. Vous pourriez peut-être aller faire un tour sur les quais Boissier. Essayez de savoir s'ils n'ont pas débarqué les briques la semaine dernière. D'accord. Vous avez un mandat? Bonjour, monsieur Serre, me voici. Comme vous le voyez, c'est un mandat de perquisition. Une information est ouverte au sujet de la disparition de Maria Cern et Van Hertz sur plainte de son amie Gertrude Osting. Qu'est-ce que c'est, Guillaume? Rien, maman. Ces messieurs désirent visiter la maison. Remontez dans votre chambre. Bien, c'est comme dentiste que vous avez fait la connaissance de Maria Van Hertz. Vous saviez qu'elle était riche. Le docteur Dubuc était le médecin de votre femme, n'est-ce pas? Il soignait Maria Van Hertz avant notre mariage, oui. Vous saviez en l'épousant qu'elle avait une maladie de cœur? Elle m'en avait parlé.
Votre première femme aussi est morte d'une maladie de cœur. Oui. Vous trouverez le certificat de décès dans la chambre de ma mère. Vous pouvez me montrer une photo de votre père, monsieur Serre. Non, je n'en vois pas. Plein gaz. Tu passes la maison pas une fois. Vous pensez que ça va l'impressionner? Ça finira bien par impressionner quelqu'un. Je vais essayer de trouver quelque chose sur le père. Vous voulez que je m'en occupe? Non, merci. Ah. Ah, voilà. Alain Serre. Il est de dos. Nous étions ensemble à la faculté. Il est mort il y a une trentaine d'années. Quel genre d'homme était-ce? De quoi s'agit-il, mon petit Maigret? De son fils, qui est dentiste. Oh, le gamin! Je ne l'ai jamais vu. Je savais qu'il existait. Et Alain et moi, nous faisions partie d'une bande de joyeux-lurons. Pour qui la vie de famille n'était pas le souci principal. C'est pas sa femme, là. Ah non, c'était sa maîtresse. Sa femme, je n'ai pas connu. Il habitait du côté de Neuilly. Mais il restait longtemps avec la petite danseuse, la Josette. Une sacrée gaillarde. On l'appelait l'engoulevent. Ils sont en haut, ils n'ont rien trouvé. Je ne sais plus où me mettre, monsieur Maigret. Qu'est-ce qu'il cherche? Mon Dieu, pourquoi l'avons-nous laissé partir? Si j'avais pu prévoir. C'est à vous, monsieur Serre. À qui voulez-vous que ce soit? On menait la grande nuit, est inoubliable. Alors, Janvier? Pas rien d'intéressant. Juste le certificat de décès de sa première femme et du père. Ils sont à la cave. Essaie de trouver une photo du père. J'aimerais bien voir sa tête. Vous habillez, monsieur Serre. Oui.
sont les lettres de Madame Serre à son amie Gertrude Austin. On vient de les recevoir d'Amsterdam. Commencez par les plus récentes. Entrez. Merci d'en voir. Ne pars pas sans m'avertir. Voulez-vous lire cela, monsieur Serre? C'est la photographie d'une page du registre de la quincaillerie Gillot, la page de mardi dernier. Celle où est inscrite la vente d'une vitre de 41 sur 45 et d'une demi-livre de mastic. Le premier client de la matinée. Vous rendez-vous compte de ce que cela implique? Dois-je comprendre que vous m'inculpez? Officiellement, vous êtes ici comme témoin, mais je peux vous inculper. Ce qui vous permettrait de vous faire assister par un avocat. J'ai pas besoin d'avocat. Vous avez une maladie de cœur, monsieur Serre? Hypertrophie du cœur, comme vous, probablement. Votre père est mort d'une maladie de cœur quand vous étiez adolescent, n'est-ce pas? Oui. Votre première femme est morte d'une maladie de cœur. Maria Van Aert souffrait également d'une maladie de cœur. Grande partie des gens meurent de défaillance cardiaque, c'est dans les statistiques. Vous êtes assuré sur la vie, monsieur Serre? Depuis mon enfance, oui. Par contre, je n'ai pas vu de police sur votre mère. Ah, ma mère n'est pas assurée. Votre père l'était? Oui. Votre première femme aussi? Vous avez trouvé les documents dans la chambre de ma mère? C'est exact. Et votre seconde femme? C'est assez courant de nos jours. Ce qui est moins courant, monsieur Serre, c'est de conserver tout cet argent chez vous. Plusieurs millions en espèces et en or dans un coffre-fort. Des milliers de gens sont dans mon cas. Une fortune qui ne rapporte aucun intérêt. Vous oubliez les impôts exceptionnels, les dévaluations successives, les lois monétaires plutôt décourageantes. Je comprends. Vous admettez que votre intention était de cacher ces capitaux et de frauder le fisc. Votre seconde femme, Maria, savait que cet argent était enfermé dans votre coffre? Évidemment. Son argent s'y trouvait jusqu'à son départ. Je n'ai pas trouvé de contrat de mariage parmi vos papiers. Elle se mariait sous le régime de la communauté des biens? Ça paraît surprenant, étant donné vos âges. Un contrat nous aurait forcés à établir un inventaire de nos biens respectifs. Votre femme était riche? Elle est riche. Plus riche que vous? À peu près autant. Sa fortune se trouve en France? En partie. Elle a hérité d'une fromagerie en Hollande. Sous quelle forme gardait-elle ses autres biens? Principalement en or. Déjà avant de vous connaître. Je vois où vous voulez en venir. Oui, c'est moi qui lui ai conseillé de vendre ses valeurs et d'acheter de l'or. Cet or se trouvait donc dans votre coffre-fort? Oui. Jusqu'à quand? Lundi, en début d'après-midi, et quand Maria est descendue, je lui ai remis ce qui lui appartenait. Cette somme était donc dans une des deux valises ou dans la malle lorsque votre femme est partie? Je le suppose. Comment puis-je savoir, monsieur Serre, que l'argent que nous avons trouvé chez vous était seulement votre argent, et non le vôtre et celui de votre femme? Que signifient le N et le M? Nous, enfin, ma mère et moi, nous avons toujours vécu en mettant nos fonds en commun, sans distinction de ce qui m'appartient et de ce qui lui appartient. Le M était donc pour Maria? Effectivement. Il y a un certain chiffre qui apparaît à intervalles réguliers. Sa participation aux frais du ménage. Votre femme payait une pension mensuelle?
En réalité, elle ne me versait pas d'argent directement puisqu'il était au coffre, mais son compte était débité d'autant. C'est moi. Ne m'attends pas, j'entrerai tard. Oui, ce sera long. Merci. Tu as trouvé une photo du père ? Non. Madame Serre m'a dit qu'elle n'en avait plus. C'est parti pour la nuit. Il va falloir penser aux munitions. Vous permettez? Vous avez pensé à cette troisième vitre, monsieur Serre? Non. Vous avez tort. Il serait préférable pour vous de trouver une explication plausible. Je n'en cherche pas. Vous persistez à soutenir que vous n'avez remplacé qu'une seule fois les carreaux de votre fenêtre. Le lendemain de l'orage, la semaine dernière. Vous affirmez que depuis, vous n'êtes plus retourné chez le quincaillier, malgré cette page du livre de compte. Janvier, tu veux venir un instant? Mon inspecteur va enregistrer cette partie de notre entretien. Vous lui répéterez exactement ce que vous venez de me dire. Après tout ce que je t'ai écrit sur ma vie ici, sur G et sur ma belle-mère, tu dois bien comprendre ce qui m'arrive. Je te raconterai tout cela. Je partirai lundi soir. Le temps passera vite. Je ne peux pas supporter plus longtemps la vie ici, mais... Ça y est, patron. C'est fait. Il vous attend. Je viens. Intéressez-vous essentiellement aux trois. Maria Van Hertz, son mari, la belle-mère. Ce qui m'importe, c'est de savoir comment ils vivaient ensemble sous le même toit. L'argent, l'alcool, la relation du couple. La jalousie, peut-être. Et puis essayer de trouver quelque chose sur le père, l'avocat. On n'a aucune trace de lui. Ni lettre, ni photo. C'est curieux. C'est comme s'ils l'avaient rayé de leur vie. Peux-vous demander un verre d'eau? Vous ne préférez pas un verre de vin rouge? Eh oui, cela fait partie du jeu. Vous avez peur de votre mère, que vous êtes obligé de vous cacher pour boire? C'est une question? Non, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Le père de ma mère était alcoolique. Ses deux frères étaient alcooliques. La sœur de ma mère a fini ses jours dans un asile d'aliénés. Il n'y a jamais eu d'alcool à la maison. Ma mère a vécu dans la terreur de me voir boire, moi aussi. Elle croit que c'est une tendance héréditaire. Vous aimez beaucoup votre mère, monsieur Serre. C'est normal. Hein. Nous avons toujours vécu tous les deux seuls. Un peu comme un ménage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que votre mère est jalouse? Pardon? Cela arrive souvent, dans le cas d'une veuve avec son fils unique. Est-ce que votre mère se montrait jalouse de vos relations? Vous avez beaucoup d'amis? Quel rapport avec la soi-disant disparition de ma femme? Je n'ai pas trouvé chez vous une seule lettre venant d'un ami. Une seule photo de groupe, comme on en trouve chez la plupart des gens. Une autre chose m'a frappé au cours de notre visite. Toutes les photographies que nous avons trouvées ne concernent que la famille de votre mère. Pas un seul portrait de votre père, ni de sa famille. Cela ne m'a pas frappé. Est-ce que vous savez quand elles ont été détruites? Non. Quelle image gardez-vous de votre père?
Ça fait partie de l'interrogatoire? Non. Notre conversation n'est pas enregistrée. Votre père était avocat. Oui. Quel genre d'existence menait-il? Une existence exclusivement familiale ou bien avait-il une vie mondaine? Sortait beaucoup. Avec votre mère? Très peu. Il avait des maîtresses? Je n'en sais rien. Votre père est mort dans son lit? Dans l'escalier de la maison. Vous étiez là? Non, j'étais sorti. Quand je suis rentré, il était déjà mort depuis 2 heures. Qui l'a soigné? Le docteur Dutilleux. Il vit encore? Non, il est mort il y a plus de 10 ans. Vous étiez présent quand votre première femme est morte? Répondez, s'il vous plaît. Oui, j'étais dans la maison. Où étiez-vous? Dans mon bureau. Quelle heure était-il? Environ 9 heures du soir. Votre femme se trouvait dans sa chambre? Elle se sentait pas très bien. Votre mère était avec elle? Je me souviens pas. C'est votre mère qui vous a appelé? Je crois. Votre femme était morte quand vous êtes arrivé dans la chambre? Non, elle a vécu encore 15 ou 20 minutes. Elle est morte quand on sonnait à la porte. Quel docteur? Dutilleux. C'était votre médecin de famille? Oui. Pourquoi n'avez-vous pas signalé à la police qu'on a essayé de vous cambrioler? Je n'ai rien à signaler à la police. Où est votre femme, monsieur Serre? Il faudra bien que nous la retrouvions. Je reviens à toi. Apporte-lui de l'eau. Elle est dans la salle d'attente. Qui? La mère. Tant mieux. Installez Vanier derrière la porte pour qu'il prenne en tenue. J'ai décidé de partir. Je n'en ai encore parlé à personne. La vieille dame ne s'en doute pas. Elle est toujours aussi souriante, à condition que je fasse tout ce qu'elle désire. C'est la femme la plus égoïste que je connaisse. Pour Guillaume, ce sera un soulagement de me voir partir. Il sait depuis le début qu'il n'y a rien de commun entre nous. Je n'ai jamais pu m'habituer à l'odeur de sa peau. Comprends-tu maintenant pourquoi nous n'avons pas partagé la même chambre? Vous prétendez, monsieur Serre, que vous n'avez pas vu le chauffeur de taxi? Pourtant, il m'a fallu qu'il descende pour porter les bagages. Je ne suis pas sorti de la maison. Après 2 ans, j'ai le même sursaut chaque fois qu'il lui arrive de venir me trouver. Heureusement, ce n'est pas souvent. Je pense qu'il vient en croyant de me faire plaisir. Ou parce qu'il estime que c'est son devoir. Ou bien c'est sa mère qui le lui dit. Ne t'inquiète pas, je pense que je vais en avoir pour toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Avec le taxi, vous n'avez pas aidé à transporter la malle? Non, j'étais dans mon bureau et les persiennes étaient fermées. Où y avait-il de bagages? Une malle et 2 valises. Vous comptez me retenir encore longtemps? Cela dépendra de vous. Vous ne croyez pas qu'il serait plus simple et moins fatigant de me dire la vérité? À quel moment avez-vous tué votre femme? Je ne l'ai pas tué. Tu peux aller manger, Jean-Louis. Fais-nous monter des sandwichs et de la bière. Bien, patron.
Pourquoi avez-vous épousé Maria Van Hertz? Ma mère avait peur que je reste seule un jour. Pour elle, je suis encore un enfant. S'imagine que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Et pour vous empêcher de boire. Asseyez-vous. Votre père a perdu beaucoup d'argent. Je comprends pas. Vous n'avez pas entendu dire que votre père menait, comme on dit, la grande vie? Il sortait beaucoup. Et il dépensait sans compter. Peut-être. Votre mère lui faisait des scènes. Ce n'est pas dans nos manières. Au fait, combien vous a rapporté votre premier mariage? Ne parlons pas le même langage, monsieur Maigret. Vous êtes bien marié sous le régime de la communauté des biens. Je vous l'ai déjà dit. Votre première femme avait de la fortune. Vous en avez donc hérité. Ça vous paraît anormal? Tant que le corps de votre deuxième femme ne sera pas trouvé, vous ne pourrez pas hériter de sa fortune. Bah, j'ai pas de raison d'hériter si elle est vivante. Vous croyez qu'elle est vivante, monsieur Serre? Je ne l'ai pas tuée. Et le quincailler, lui, il vous a pris pour un autre quand vous êtes venu acheter une nouvelle vitre le mardi matin, à l'ouverture du magasin? Ma parole vaut la sienne. À condition que vous n'ayez pas tué votre femme. Le mardi matin, vous avez trouvé la maison en ordre. Rien de particulier dans votre bureau? Rien de particulier et pas de caisse à outils. Je l'ai redit plusieurs fois. Une information est ouverte, donc vous avez le droit de m'interroger, monsieur Maigret. Mais votre inspecteur m'a déjà posé toutes ces questions, et vous recommencez. Hein. Vous essayez de m'avoir à l'usure. Moi, je peux prévoir que ça va durer toute la nuit. Alors, pour gagner du temps, je vous répète que je n'ai pas tué ma femme. Et je vous avertis que je ne répondrai plus aux questions qui m'ont déjà été posées. Votre mère est ici. Elle est dans la salle d'attente depuis plus de 2 heures. Vous comptez la laisser y passer la nuit? Elle est libre, je ne vais pas l'en empêcher. Je voudrais pas faire votre métier. Vous voulez manger quelque chose? Ah oui, je veux bien, merci. Vous désirez parler à votre mère? Non, je n'ai rien à lui dire. Est-ce qu'elle a mangé? Je l'ignore. Je vous répète qu'elle est libre. Elle ne sortira pas d'ici tant que j'y serai. Elle risque d'attendre longtemps. Comment est-elle? Elle va bien. Elle discute avec une ancienne prostituée. Elle parle beaucoup. Vous pourriez peut-être lui faire porter un sandwich? C'est déjà fait, monsieur Serre. Dis à Torrance d'emmener la grande perche chez Lucas. Qu'elle a raconté à maman? Elle voulait savoir si j'étais déjà venue, pourquoi j'étais là. Alors j'ai fait mon numéro. Je lui ai dit que mon mari voulait se battre au couteau et tout le toutim, quoi. Et puis petit à petit, elle s'est mise à me poser des questions. Sur quoi? Sur vous. Alors j'ai fignolé le portrait, je lui ai dit que vous arriviez toujours à faire parler les gens, quitte à employer la brutalité. Oh, c'est insensé. Je lui ai raconté que vous aviez gardé quelqu'un tout nu dans votre bureau pendant 24 heures en plein hiver et que vous aviez ouvert les fenêtres toutes grandes. Ça va pas, Ernestine. Mais ça marche, monsieur le commissaire, ça l'impressionne. Elle est moins sûre d'elle, maintenant. Elle tend l'oreille à tout bout de champ. Elle m'a aussi demandé si vous les battiez. Avec un fouet? Mais ça va pas, non? Vous
Votre mère est en train de s'imaginer que je vous torture. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Moi, rien. C'est probablement la fille qui attend avec elle. Ces gens-là adorent inventer des histoires pour se rendre intéressant. Je peux la voir? Qui? Ma mère. Non. Je crois que je vais l'interroger moi-même. Ma mère ne sait rien. Et vous? Moi non plus. Vous m'obligez à l'interroger comme je l'ai fait pour vous. Vous n'avez aucune pitié. Aucune pitié pour qui? Pour une vieille dame. Maria Van Hertz aussi aurait bien voulu devenir une vieille dame. À toi, Janvier, je vais m'occuper de la mère. Entrez. Il y a la grande dame qui voudrait parler au commissaire Maigret. Elle se sent mal. Elle attend dans le bureau de l'inspecteur Lucas. Une bière, Marcel? Ah, c'est pas trop fût. Fermez la porte, commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, mais j'en pouvais plus de jouer la comédie. Elle est redoutable, cette bonne femme. Je sais pas comment vous tenez le coup avec le fils, mais... elle est plus fortiche que moi. Elle s'est mise petit à petit à me poser des questions et j'ai vu que du feu. Tu lui as dit qui tu étais? Non. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a deviné. Deviné quoi? Que j'avais fait le tapin. Elle m'a posé un tas de questions sur la vie en prison et sans en avoir l'air, et je me suis laissé embobiner. Tu lui as parlé d'Alfred? Oui. Mais je lui ai pas dit ce qu'il faisait. Il y a au moins une heure qu'elle m'interroge sur la vie en prison, à quelle heure on se lève, qu'est-ce qu'on mange, comment sont les gardiennes. Vous auriez pas quelque chose d'un peu raide à voir? Elle m'a tué, cette toupie. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. T'as parlé de son fils? Non, mais elle sursaute à chaque fois qu'on ouvre une porte. Et puis elle m'a posé une question qui peut peut-être vous intéresser. Elle m'a demandé si je connaissais des gens qu'on a guillotinés. Quelle heure est-il? 2 heures. Tu peux rentrer chez toi. Oh non, je reste. Ce sont des photos de Madame Van Hertz. Elles étaient dans une enveloppe avec un mot de Madame Austin qui pense que cela peut vous être utile. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. Ce sont des gens qui ont horreur de voyage. Ils n'ont quitté la France qu'une seule fois, quand le père vivait encore. C'était pour aller à Londres. Il paraît d'ailleurs qu'ils ont tous eu le mal de mer pendant la traversée et qu'ils ont dû se faire soigner par le médecin de bord. Tout ça pour te dire que quand j'ai proposé d'aller 2 jours au carnaval de Nice, ils n'ont tout d'abord rien dit, comme d'habitude. Et puis Guillaume est venu me trouver dans ma chambre pour expliquer que sa mère trouvait cela choquant. Il m'a supplié de renoncer à ce projet. J'avais laissé les tiroirs de ma table de nuit entrouverts et il y a jeté machinalement un coup d'œil. Je l'ai vu devenir tout pâle. Il a touché le petit automatique que j'avais acheté pour mon voyage en Égypte et m'a demandé s'il était chargé. Je lui ai montré que le chargeur était vide. Il m'a alors demandé si j'avais des cartouches. J'ai répondu qu'il devait y en avoir quelque part. Une demi-heure plus tard, ma belle-mère est arrivée et m'a expliqué qu'il n'était pas concevable pour une femme d'avoir une arme et que je devais la lui remettre. J'ai refusé parce que je la garde comme souvenir. J'ai réfléchi, monsieur Serre. Vous n'avez pas menti autant que je le croyais. Marianne ne devait pas disparaître. Vous n'aviez aucun intérêt à sa disparition. Elle devait réellement prendre le train de nuit pour la Hollande. Je ne sais pas si elle devait mourir chez vous ou après son départ, une fois dehors. C'est bien cela, n'est-ce pas? Elle devait mourir d'une mort naturelle, ou plutôt d'une mort qui pouvait paraître naturelle.
Mais ça ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez prévu, et vous avez dû faire disparaître le corps et les bagages. Il y a un autre détail qui me trouble. Vous vous êtes dit adieu, et pourtant elle est retournée dans le bureau, puisque son cadavre s'y trouvait aux environs de minuit. Ne me répondez pas, je vous demande seulement de suivre mon raisonnement. Je viens d'apprendre que votre femme avait un pistolet automatique. Vous avez peut-être tiré pour vous défendre, je suis prêt à vous croire. Vous êtes affolé et vous avez abandonné le corps pour chercher votre voiture dans le garage. Vous avez tort, monsieur Serre. Tôt ou tard, nous retrouverons le corps et je suis persuadé que l'autopsie révélera qu'elle a été tuée par balle. Ce que je me demande, c'est si la balle a été tirée par votre revolver ou par le sien. Si la balle a été tirée par le revolver de votre femme, on peut imaginer qu'elle est venue pour vous réclamer quelque chose et qu'elle vous a menacé. Question d'argent, par exemple. De toute façon, votre tête n'est pas en jeu, la préméditation n'existe pas. Vous pouvez même plaider la légitime défense. Ce qui reste à expliquer, c'est pourquoi votre femme, sur le point de partir, est venue vous menacer avec une arme. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Vous êtes toujours décidé à vous taire. Je réponds docilement à vos questions. Votre femme n'est pas venue vous réclamer des comptes et elle ne vous a pas menacé. Ma femme ne m'a jamais menacé. Ne soyez pas aussi catégorique, monsieur Serre, vous pourriez le regretter plus tard. C'est vous qui supplierez les jurés de croire que votre vie ou celle de votre mère était en danger. Vous n'aviez aucun intérêt à vous mettre un cadavre sur les bras. Je veux dire, un cadavre qu'on ne peut pas montrer. Quand votre première femme est morte, cela s'est passé de telle manière que vous avez pu appeler le docteur Dutilleux pour rédiger le certificat de décès. Or, Maria souffrait comme elle d'une maladie de cœur. Elle aurait dû mourir d'une mort apparemment naturelle. Ce qui avait réussi avec l'une devait réussir pour l'autre, mais il y a eu un pépin. Je ne l'ai pas tué. Et vous n'avez pas fait disparaître le corps, les bagages et les outils du cambrioleur. Il n'y a pas eu de cambrioleur. Vous aurez probablement la possibilité de le rencontrer dans quelques heures. Il s'agit d'un repris de justice bien connu de nos services. Il a mis sa femme au courant. Elle est dans la salle d'attente, en compagnie de votre mère. Allons, décidez-vous. Il est 3 heures du matin. J'ai rien à dire. Bien. Vous me mettez dans l'obligation de questionner votre mère. J'aurais préféré ne pas tourmenter une vieille dame. Toi, Jean-Yves. Ah, ça y est, j'ai trouvé, commissaire. C'était facile, j'ai fait tous les quêtes déchargement. Où t'as trouvé ça? Quête Billancourt. Avec une seule péniche qui a déchargé des briques. Quand? Lundi dernier. Elles sont toujours là. Il y a de la poussière rouge le long du quai sur plus de 100 mètres. Moyer se confirme que c'est la même que celle qu'il a trouvée. Téléphone à la pluviale de commencer les recherches. C'est déjà fait. Voulez-vous venir un instant, madame Serre? Asseyez-vous, je vous prie.
Votre fils a une maladie de cœur, n'est-ce pas? Il a toujours eu le cœur fragile, oui. Je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, surtout à une personne de votre âge. Mais il a tué sa femme. Il vous l'a dit? Il nie encore, mais nous avons des preuves. Quelles preuves avez-vous? Nous avons retrouvé l'endroit où il a jeté le corps, dans la Seine, qui est bien en cours. Ah. Votre fils refuse de plaider la légitime défense, il a tort. Je suis sûr que sa femme l'a menacé avec une arme quand elle l'a rejoint dans son bureau. Ou alors elle vous a menacé, vous. Il a essayé de la désarmer, le coup est parti accidentellement. Il y a une troisième hypothèse. Votre fils a tiré le premier avec son propre revolver qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Je ne sais rien, j'étais dans ma chambre. Vous n'avez rien entendu? Que la porte qui sort fermée, le bruit d'un moteur dans la rue. Le taxi? Je suppose, puisque ma belle-fille a parlé d'en chercher un. Vous n'êtes pas sûr? Je ne l'ai pas vu. Cela aurait pu être la voiture de votre fils. Il m'a affirmé qu'il n'était pas sorti. Quand vous êtes venu me voir spontanément, vous étiez sûr que votre belle-fille avait quitté la maison en taxi? Je le suis toujours. Mais vous n'en êtes plus sûr. Écoutez, monsieur Maigret, depuis deux jours, vous me posez sans cesse les mêmes questions. Je ne sais plus où j'en suis. Puis j'ai attendu des heures dans l'antichambre, je n'en peux plus. Pourquoi êtes-vous venu cette nuit, madame Serre? Il est tout de même normal que je sois près de mon fils dans une situation pareille. Vous le suivriez en prison? Je comprends pas. Si j'inculpais votre fils, est-ce que vous prendriez sur vous une partie de son acte? Et puis s'il n'a rien fait? Vous en êtes sûr? Pourquoi aurait-il tué sa femme? Êtes-vous certaine qu'il ne l'a pas tué? Pour autant que je le sache. Il y a une possibilité qu'il l'ait fait? Il n'avait aucune raison pour cela. Il l'a fait. Dès que le procureur de la République arrivera au palais, je demanderai l'inculpation de votre fils. Je dois vous dire qu'il n'a aucune chance de s'en tirer. Pour lui, c'est la peine capitale. Sa première femme sera exhumée. Vous savez qu'on trouve la trace de certains poisons dans le squelette. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas vrai, je ne vous crois pas, monsieur le commissaire. Vous cherchez à me faire souffrir. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi seule avec lui quelques minutes, je suis sûre que je découvrirai la vérité. Vous avez passé toute la soirée de lundi dans votre chambre? Oui. Vous n'êtes descendu à aucun moment? Pourquoi serais-je descendu puisque cette femme partait? Enfin. Votre fils n'a tué ni sa première, ni sa seconde femme. Comment? Il n'a pas non plus tué son père. Qu'est-ce que vous voulez dire? Laissez-moi parler, madame Serre. Nous allons essayer de régler cette affaire aussi proprement que possible. Ne nous occupons pas des preuves. Pour le moment, elles viendront plus tard. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que votre première belle-fille a été empoisonnée. Je peux même certifier qu'elle ne l'a pas été avec un de ces poisons violents, arsenic ou autres qu'on emploie habituellement. La première femme de votre fils, comme la seconde, souffrait d'une maladie de cœur. Or, vous savez que certaines drogues, inoffensives pour des personnes en bonne santé, peuvent être mortelles pour des cardiaques. Dans une lettre à son ami, qui m'a beaucoup intéressé, Maria raconte que vous auriez fait un voyage en Angleterre avec votre mari et votre fils et que vous auriez tous les trois été malades pendant la traversée.
à tel point que le médecin de bord a dû vous soigner. Vous savez ce qu'on prescrit contre le mal de mer? Non, je l'ignore. Vraiment? On donne en général de l'atropine. Or, une dose un peu trop forte d'atropine peut être fatale pour un cardiaque. De sorte que mon mari serait mort d'une... Nous en parlerons plus tard de votre mari. Même s'il est impossible d'en établir les preuves, ce que nous savons, c'est que dans les dernières années de sa vie, il a mené une existence désordonnée et il gaspillait sa fortune. Votre fortune. Vous avez toujours eu peur de la misère, Madame Serre. Non, pas pour moi, monsieur le commissaire, pour mon fils. Mais cela ne prouve pas que j'aurais pu tuer. Plus tard, votre fils s'est marié. Une autre femme a vécu dans votre maison. Une femme qui portait votre nom et avait les mêmes droits que vous. Cette femme avait elle aussi une maladie de cœur. Elle était riche, plus riche que vous. Vous insinuez que je l'ai empoisonnée après avoir empoisonné mon mari? Oui. J'ai sans doute aussi empoisonné ma seconde belle-fille. Probablement, parce qu'elle emportait son argent. Comme par hasard, elle avait elle aussi une maladie de cœur. Ce que je me demande, c'est pourquoi le corps a disparu. Si elle avait été seulement empoisonnée à l'atropine, il suffisait d'appeler un médecin qui, étant donné l'état de santé de Maria, aurait conclu à une crise cardiaque. Cette crise pouvait même se produire plus tard, à la gare ou dans le train. Vous paraissez très sûr de vous, monsieur Maigret. Je suis persuadé qu'il s'est passé quelque chose, un événement imprévu qui a poussé votre fils à tirer sur sa femme. Supposez par exemple que Maria ait ressenti un premier malaise en téléphonant pour appeler un taxi. Elle se méfiait, elle vous connaissait. Elle venait de passer 2 ans et demi avec vous. Réalisant qu'elle est empoisonnée, elle se précipite dans le bureau où vous vous trouvez. Oh, comment pouvez-vous affirmer que je m'y trouvais? Parce que c'est vous-même qu'elle a immédiatement soupçonné. Je dois vous dire, Madame Serre, que la plupart du temps, 9 fois sur 10, les crimes d'empoisonnement sont l'œuvre de femmes. C'est vous qu'elle mettait en cause. Et si vous aviez été dans votre chambre, elle serait montée. J'ignore si elle vous a menacé avec son revolver ou si elle a saisi le téléphone pour appeler la police. Il ne vous restait qu'une solution. D'après vous, c'est moi qui l'ai tué. Non. C'est probablement votre fils qui a tiré. C'est lui qui a achevé la besogne. Entrez. Vous voulez boire quelque chose, patron? Non, tu peux aller dormir, petit. C'est fini pour toi. Votre fils est décidé à prendre toute la responsabilité sur lui et je ne vois pas comment l'en empêcher. Il n'a pas parlé jusqu'ici, il est capable de tenir jusqu'au bout. À moins que... À moins que... Il y a quelques années, j'ai eu dans mon bureau un homme qui n'a pas desserré les dents pendant 14 heures. Votre fils est persuadé que vous avez agi à cause de lui, par crainte de le voir sans ressources, et aussi par jalousie. Or, c'est faux. Ce n'est pas pour lui que vous avez peur de la misère, Madame Serre, c'est pour vous. Ce n'est pas pour lui que vous avez tué. Et si vous êtes ici cette nuit, c'est parce que vous avez peur qu'il parle. Peu vous importe qu'il finisse ses jours en prison ou qu'il soit exécuté, si vous avez la certitude de ne pas être inquiété et de pouvoir encore continuer à vivre dans votre maison, à compter votre argent... Non. Asseyez-vous, madame Serre. Bien, j'ai envie de le laisser. Oui, c'est fini. Je n'ai rien avoué. C'est la même chose. J'aurais pu poursuivre l'expérience jusqu'au bout, vous accorder le tête-à-tête avec votre fils. Mais nous avons déjà assez de cadavres pour une seule vieille dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous lui auriez donné ses comprimés, qu'il les aurait pris pour son médicament et qu'il n'aurait plus jamais risqué de parler. La fluviale vient d'appeler de Billancourt. Le scaphandrier a repéré une malle assez grosse. Le reste va suivre. Tu
peux l'emmener au dépôt. L'homme aussi, pour complicité. Ils sont toujours là? Ils s'en vont. Ça y est, tu peux y aller. Il a avoué ? Non. C'est elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Ernestine ? Rien, monsieur le commissaire. Mais vous auriez pu pas me croire.